Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Corporation, un jeu, une sorte de croisement entre un Doom-like et un jeu d'infiltration. Non, pardon, c'est plus un, ça ressemble plus à un jeu de Doom-like où on contrôle. J'ai pas le scénario du jeu, mais à mon avis, je pense qu'on doit être une sorte de cobaye artificielle dont le but est d'éviter de se faire. Ratatiner la gueule. Alors, ce jeu est sorti aux alentours de l'année 4, enfin au cours des années 90, et c'est édité par Core Design, le même studio qui a fait, je vous le rappelle, Tomb Raider. Alors, ce jeu, franchement, je sais pas ce que je dois dire à propos de ce jeu, et franchement, il a l'air d'être assez bien, assez beau graphiquement. Par contre, le niveau scénario, mais. Attendez, parce que là, je cherche. Parce qu'il y a pas mal d'items qu'il faut prendre, mais je ne sais pas quoi. Attendez, chemicals, je vais voir si je peux prendre ça, c'est possible. Bon, écoute. Va écouter, on va faire ce qu'on a, d'accord? On va se dire, enfin, on va brouiller avec ce qu'on a sur la main. Très bien. Alors, donc vous contrôlez une sorte de d'humanoïde artificiel et le but c'est. Alors, je ne sais pas si c'est un test de réflexe. Ah oui, et vous avez une sorte de petit rond. Qui était en fait une scie qui cible les trucs que vous devez tirer dessus. Et par exemple, là, je viens de tirer sur une espèce de caméra de surveillance. Ouh! Ok, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je viens de me faire toucher. Toucher par qui? Je sais pas. Mais bon. Mais ce jeu promet d'être. Oula, attention. Oui, parce que oui, faites gaffe parce qu'il y a. Les trucs là, je crois que ce sont des mines. Il me semble que ce sont des mines. Ah, attends, parce que là j'ai vu quelque chose bouger. Hein. Alors, les seuls ennemis que vous allez rencontrer sont des robots, des caméras de surveillance, et c'est tout. Voilà. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, sinon, je trouve le jeu, ouais, assez beau graphiquement. On peut voir ça, très clairement qu'on est quasiment aux premières heures de la 3D. Hein. Ah oui, et ce jeu est sorti sur Mega Drive. Hein. Mais je crois qu'il existe un sur Super Nintendo. Enfin, du moins, je pense. Tiens, prends ça, le robot. Allez, attendez, parce qu'il y a encore un autre truc. Ah oui, faites gaffe aussi aux araignées. Elles sont très très chiantes. Elles vous tombent dessus. En plus, ce qui est vraiment chiant dans le jeu, c'est que c'est labyrinthique. On ne sait pas quoi faire. Je suis complètement perdu. En plus, j'ai même pas de carte sur la main. Et encore moins de GPS. On se croirait en pleine grande surface. Attendez. Oui, attendez que je vérifie que je ne me. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, mince, je peux pas rentrer. Ah, tu. Oui, pour qui se prend lui, hein? Il s'amuse. Aïe! Mais putain, il y a quelque chose qui. Oh là là, mais franchement, je vous jure, mais. Mais te colle pas sur les murs, putain! Ah, encore un autre putain de robot! Allez, hey, mais dégage le robot! Oh! C'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le coin pour les chiottes? Je sais pas. Mais vas-y, putain, mais. Oh! Mais dégagez! Mais putain! Mais vas-y, c'est ça, allez-y, bolossez-moi, je sais pas. Oh, mais quelle enculerie, je vous jure. Mince, il y a une espèce d'araignée qui est tombée. Oui, par moi, les araignées, elles tombent toutes seules. Même quand vous n'êtes pas proche d'elles. Attendez, parce que là, faut vraiment. Oh, mais faut vraiment, mais. Faut vraiment, mais. Faire gaffe à tout ce qui bouge. Mais je l'ai loupé. Mais je l'ai encore loupé. Mais il tire mieux que ça. Voilà. Oui, apparemment, le curseur cible pas très bien votre cible. C'est vraiment ce jeu, il est un petit peu bizarre sur les bords parce qu'on dirait un croisement entre Robocop et une expérience de cobaye humain. Je sais pas ce que c'est. Ouais, attention, faites gaffe aux trucs qu'il y a au sol. Si je me souviens bien, ce sont les mines. Eh putain! Oh, je suis en train de me faire mais bolosser, mais je sais pas qui. Putain, encore un robot. Non mais je pense que ça doit être
Je ne sais même pas si c'est ce que c'est. Est-ce que c'est un. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une sorte de vaisseau extraterrestre ou c'est un test d'expérience neurologique ou quoi qu'est-ce? Voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais une chose est sûre, ça me rappelle les fameuses grandes surfaces, plutôt dans les magasins de bricolage genre Habitat. Je sais pas pourquoi. Allez, on continue à se balader en évitant les mines et les trucs qui bougent. Attends, non, je crois qu'il me semble que je suis déjà passé par là. Oui, je suis déjà passé par là. Je reconnais la mine qu'il y a au sol. En plus, je me fais tellement chier que je sais même pas. Hey! Mais putain! Ok, si je. Oui, alors, ce que vous voyez sur votre gauche, c'est le nombre de barres. Ah bah, ça y est, je crois que j'ai. Attends, impressionné, va te faire foutre. Oui, donc ce que vous avez vu sur, comment dirais-je, sur votre gauche, c'est le taux de enfin, le nombre d'énergie, le nombre. Enfin, une fois que un de vos membres est touché, vous perdez des points de vie. Bon, attendez, on va voir si on peut refaire. On va prendre Ricalène. Bah tiens, on va prendre celle-là. Allez. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va prendre ce qu'on a sous la main. Attendez. Hein. Voilà, course, un plan. Ouais, exoskeleton. Ouais, non, mais il y a tout ici. Hein. C'est un bras bionique, électronics. On doit être probablement des puces pour s'inscrire sur des neuronales, le chimique. Bon, allez, on recommence. Voici, on va essayer de mieux jouer parce que j'avoue avoir fait un petit peu n'importe quoi. En même temps, c'est de la découverte en même temps. Hein. En plus, comme je viens de vous le dire, ce jeu a été programmé par Core Design. Je sais. Alors si, oui, Core Design, les fameux les créateurs de Tomb Raider. Hein. Alors j'ai pas parlé de ce jeu. Enfin, si j'en ai parlé, enfin, j'ai juste montré des petites scènes, enfin des petites séquences du jeu pour prouver que ce jeu a été programmé par Core Design. Si bien évidemment vous vous en souvenez. Attendez, parce que là, il y a quelque chose qui m'a tiré dessus. Je sais pas qui. Bref, ce jeu est bien, mais un petit peu dur sur les bords. On est vraiment obligé de garder un œil sur tout. Hein. Faut bien vérifier. Les caméras, les robots, les. Ça, je sais pas ce que c'est, ces trucs que je viens de tirer. Je sais pas si c'est des systèmes d'alarme ou quelque chose comme ça. Mais bon, putain, mais qu'est-ce qui. Ah, oh, mais putain de. Mais ah! Mais merde! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Putain, hey, j'ai horreur qu'on me tire par derrière. Non, non, c'est déjà, premièrement, ça se fait pas. Et en plus, ça se fait pas. Voilà. C'est dommage que je ne puisse pas te tirer sur les mines. Non, parce que comme vous voyez, il y a des mines au sol, si vous vous souvenez. Alors, allez, on continue. Est-ce que. Ah, tiens, encore un autre robot, hein. Oh, mais putain, c'est toi qui tires dessus, hein, connard, tiens. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, hein. Bon, évidemment, comme j'ai pas le scénario en main, j'essaierai de voir si je peux le trouver pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez, parce que là, il y a encore. Je ramasse encore des trucs. Waouh, génial, hein? Je ne sais même pas si c'est un deux pièces. Ah, attendez, parce qu'il y a encore un truc. Il y a encore un autre robot. Tiens. Allez, on sort. Mais sort, qu'est-ce que t'attends? Voilà, allez, on tire sur la caméra. Ah, encore un autre robot. Allez, c'est bon. Bon, mis à part ça, je trouve le jeu pas trop mal. C'est vraiment, mais je sais même pas si on peut appeler ça un ancêtre de Doom. Ou un ancêtre de Doom, ouais. Je sais même pas si c'est un Doom-like ce jeu. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Ah, allez, parce que là, il y a un mur juste là. Voilà, on l'évite. Voilà, on bute la caméra. Oh putain, la caméra. Mais vas-y, mais tire mieux que ça! Oh! Oui, attention à la mine.
Bon, de toute façon, si je perds encore une fois, ça sera pas tellement dramatique parce que ce jeu, bon, il est bien, mais bon, c'est sans plus quoi. C'est quasiment, mais sans plus quoi. En plus, on dirige notre personnage comme un putain de chien aveugle. Voilà, on tire sur la caméra. Allez, mais allez, vas-y, vas-y, allez. Ah, attends, je crois que c'est un cul-de-sac. Ah, encore un autre robot. Youhou, par ici, tiens. Dans ta gueule. Est-ce qu'il y a quelque chose bon, attends, je crois qu'il me semble que je suis déjà passé par là. Oui, faites gaffe parce que par moment, les niveaux se ressemblent, hein. Et labyrinthique aussi, hein. Tain, seulement il y avait une espèce de sortie. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais quelqu'un qui me tire dessus là! Ah, c'est toi, hein, connasse d'araignée! C'est ça, va te suicider, hein. Allez, encore un autre robot. Ah merde, j'ai plus d'armes! Bon, ok, bah on va se battre à coups de poing, comme à la mienne traditionnelle. Tiens! Je vais vous niquer, moi, vous allez voir! Allez! Ah merde, j'ai... Ah merde, je crois que j'ai... Ah, je crois que j'ai perdu. Ah merde, je crois que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je comptais m'arrêter là, parce que ce jeu, franchement, il est bien, mais il est vraiment pas facile sur les bords. Hein. Franchement, il est vraiment pas facile. Voilà, donc, les gens, c'était donc Corporation sur Sega Mega Drive, édité par Core Design. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!